Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube Plein les yeux. Bon, vous le voyez, je suis dans le parc, je suis équipée. Parce qu'aujourd'hui, c'est le grand jour. C'est le jour qu'on attendait depuis longtemps. Celui qui redonne du sens à ce qu'on fait. Parce qu'ici, on fait du plein air. Donc ce matin, nous enlevons le grillage. L'idée étant que les poules puissent accéder bien au parcours le plus vite possible. Voilà, donc je rappelle, hein, y a un grillage en fait qui est le long des jupes là. Qui maintenait les poules sur le trottoir jusqu'à maintenant. Ce qui a été fait pour en termes de préparation pour accueillir les poules dehors, donc en fait nous avions plus ou moins un calendrier de sortie, donc on savait que cette semaine serait en principe celle de la libération des poules. Donc on avait quand même anticipé, le parcours a été broyé, vous voyez c'est nickel, parce que des herbes hautes, bah c'est des herbes qui vont forcément freiner des poules, notamment des poules qui sont jamais allées dehors finalement. Les haies que nous avions plantées ont été entièrement protégées, donc vous voyez, avec une protection très sommaire, un piquet grillage. Donc, même si les arbres sont petits, je pense qu'ils vont déjà jouer un premier rôle de manière indirecte avec ces protections qu'ils ont autour d'eux. En fait, on le sait parce que là, vous voyez, donc je rappelle, hein, le parc est divisé en 4. Le poulailler est divisé en 4. En fait, on a 4 unités de 3700 poules, ce qui fait un total de 15000, mais elles ne sont pas toutes ensemble. Et donc, ce qu'on observe, c'est que sur les zones intermédiaires, donc vous voyez, il y a une séparation au milieu, là, dans le parc, séparation qui va tout au fond là-bas. Et en fait, les poules sont souvent en train de l'allonger, cette séparation. Ça les sécurise, elles ont quelque chose à côté d'elles, parce que là, on voit sur toute la longueur, hein, c'est compliqué pour une poule hein, qui fait 20 cm, 30 cm de haut d'aller tout au fond là-bas. Ça paraît quand même gigantesque pour elles, déjà pour nous, ça paraît grand. Donc, plus on va mettre de guides, de moyens pour les amener à aller le plus loin possible, et plus elles vont pouvoir occuper le parc. Donc, même si les arbres, effectivement, pour le moment, ne jouent pas directement leur rôle, eh ben, on va pouvoir quand même vérifier ça assez rapidement. Je pense que dès aujourd'hui, on verra des poules le long des grillages. Je vous confirmerai ça par des vidéos ou pas. On verra bien, on va voir l'attitude qu'elles ont. Bon, ça y est, nous y sommes. Le grillage est enlevé, ça nous a pris... Ah oui, ça nous a pris 2 heures. Le temps de tout enlever. Donc là, je vais aller sur mon téléphone. Parce que je peux commander à peu près tout ce que je veux. Et donc là, on va y aller. Attendez, ils veulent des poules. Allez, ça y est, c'est parti. C'est enclenché.
Ça y est, elles sont sorties. Bon, évidemment, elles restent devant les trappes, hein. C'est leur toute première sortie. Mais enfin, contrairement à une première sortie quand on a des poules plus jeunes, là, on voit qu'elles avancent quand même assez vite. Elles savent ce qu'est l'herbe. Il n'y a pas de souci, elles avaient commencé à en grignoter à travers le grillage. Ça va vite, hein. Regardez. Voilà, on les voit quand même bien sortis. Il y en a un bon paquet maintenant sur le trottoir. C'est un espace qu'elles connaissent. Donc maintenant, il faut qu'elles comprennent qu'elles peuvent aller plus loin. Ça va se faire assez vite, hein. Dès qu'il y a un petit paquet qui va commencer à aller dehors, bah, les autres vont suivre. Là, ça fait quoi? Allez, 10-15 minutes que les trappes sont ouvertes. Qu'est-ce que je vous disais? Vous voyez, sont où les poules là? Voilà. Par expérience, on connaît les animaux, on n'a pas besoin de les voir sortir, on va dire, une première fois pour ensuite dire comment elles vont se comporter. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elles n'étaient jamais sorties dans le parc. Je vous ai dit qu'elles iraient de toute façon près du grillage des haies parce que ça leur fait un guide. Voilà, c'est vérifié. Et puis après, j'ai une copine à mes pieds, voilà, tout ce qui peut les rassurer, tout ce qui peut leur servir. Voilà, on voit les autres qui sont près du grillage, hein, ici. Donc en fait, un grillage, au-delà même d'avoir mis un arbre, juste un grillage avec des piquets en milieu de parcours, bah, en fait, ça les aide à sortir. Voilà. Et donc là, c'est vérifié. Les poules, elles sont effectivement le long du grillage. Ça, je ne l'ai pas inventé et je vous avais dit qu'on le vérifierait. Ce qui est fait. Bon, ça commence à sortir, donc c'est plutôt rassurant. Ah, j'ai mes mères qui est à côté de moi. Bah ouais, voilà. Donc voilà, c'est chouette. Bon, bah moi je vais aller aux œufs et puis on refera le point cet après-midi. Je ferai d'autres petites vidéos et puis des petites photos. Histoire de partager tout ça avec vous parce que c'est vraiment une joie immense. Voilà, je pense qu'il n'y a qu'un éleveur qui a vécu ce qu'on a vécu. Et encore, on n'a pas été touché par le virus, hein, mais indirectement, on l'a vraiment subi. Donc. Ça a été une année très difficile. Ça a été une année difficile parce que, il faut le dire, hein, beaucoup se servent des virus et notamment du confinement des volailles pour nous rentrer dedans, pour dire qu'on confine nos animaux, que ceci, que cela. Enfin bon, bref, c'est toujours le même refrain. Nous, on n'y était pour rien. On respecte scrupuleusement la loi. Et on a fait tout ce qu'on pouvait pour garder nos animaux en bon état. Donc, vous le voyez, alors oui, elles sont déplumées au niveau du cou parce que les assiettes agissent par frottement, je vous l'ai déjà expliqué. Néanmoins, on a des belles poules. Voilà, on a fait ce qu'il fallait pour les garder en bon état, parce que des poules qui restent confinées, on est sur de l'animal adulte qui a vécu sa maturité sexuelle, contrairement à du petit poulet, etc., qu'on fait pour la consommation. Là, on est sur des poules, hein, qui ont un an. Donc, très vite, elles peuvent avoir un comportement de piquage. Elles peuvent se manger, en fait. Elles ont un comportement un peu cannibale. Nous, ce qu'on doit faire dans ces moments-là, et c'est ce qu'on fait depuis le début de l'hiver, c'est vraiment veiller. Est-ce qu'elles aient des conditions de vie qui les poussent pas à ça, quoi? Et c'est compliqué à gérer. Voilà, c'est difficile à gérer. Pas parce qu'elles sont serrées ou qu'il y en a trop, c'est pas ça. Il y aurait 1000 poules que ce serait exactement la même chose. Simplement parce que c'est dans leur comportement, c'est dans leur nature d'être comme ça. Donc on a fait beaucoup de compléments, je vous l'ai expliqué déjà dans plein d'autres vidéos. Et aujourd'hui, on est satisfait du travail qu'on a fait. On a tenu plus d'un mois, un mois et demi, deux mois avec le grillage sur le trottoir. Mais il n'empêche que ça, j'en suis persuadée. Alors non seulement ça les aide aujourd'hui à sortir facilement parce qu'elles savent ce qu'est l'extérieur, même si elles n'étaient pas allées dans le parcours encore, mais c'est surtout que ça leur a apporté une bouffée d'air supplémentaire et un bon moyen de contrôler ce besoin d'aller piquer les autres à un moment donné parce qu'elles s'ennuient, parce qu'elles manquent de fibres, parce que ceci, parce que cela. Donc voilà, aujourd'hui, c'est de la satisfaction de voir des poules qui sont en bon état, dehors, après 7 mois, 8 mois de confinement.
Bah oui, ma belle. Coucou. Allez, profite. Vas-y, profite.